Bonjour Azoul. Azoul Fleik, Hossein Agma. Bonjour, cher ami Hossein. Amchi Gila Yusuf Ziram. Igaraz, Aklar Gilpari. On est bien et merci. Yusuf Ziram, c'est un journaliste, c'est un écrivain. La chose. Un peu de tout. Hein. Effectivement, je suis journaliste. J'écris des livres aussi. Hein. Ça fait quand même maintenant plus de 20 ans que j'écris des livres, des romans, des poésies, des nouvelles, des essais politiques, des essais sur l'histoire. J'écris un peu de tout. Hein. Et le dernier, c'est un roman qui vient de sortir en France aux éditions Intervalle et qui est intitulé « La porte de la mer ». La porte de la mer, justement. C'est quoi la porte de la mer? Vous parlez de Bougie, d'Alger, de Bouira? Je parle un peu de tout. Et ben, tu fais bien de parler de Bouira parce qu'une grande partie du roman se situe à Touviriz. Mais il y a aussi Fgayet, Bijaya, Bougie. Il y a aussi le Zahir, Alger. Et il y a aussi Paris. Donc, c'est une femme qui raconte son histoire. C'est une histoire un peu douloureuse. Mais c'est une fille qui va se battre et qui va essayer de trouver son chemin. Voilà. Et donc, en réalité, c'est le destin d'une femme, mais c'est le portrait aussi d'un pays. Un pays qui se cherche et qui reste, à bien des égards, assez violent, assez intolérant. Oui, la porte de la mer existe réellement. Alors, c'est une porte qui a été construite par le royaume des Zayd Hamad, ce qu'on appelle les Hamadites, il y a donc plus de 10 siècles, n'est-ce pas? Et donc, en réalité, j'ai toujours eu ce rêve d'écrire un roman qui s'appellerait « La porte de la mer ». Moi, je suis de la région de Fgayet, et j'ai toujours aimé Fgayet, j'aime toujours Fgayet. Et quand je passais devant « La porte de la mer », je me disais « Voilà un beau titre de roman ». Et mon rêve s'est réalisé, et donc j'écris ce livre qui vient de sortir en France, à Paris, aux éditions Intervalle. Oui, c'est Amina qui raconte son histoire. Donc, je disais qu'elle a eu un parcours très difficile. Elle a été violée par son propre père, un émir islamiste. Elle va accoucher de son enfant, elle va essayer de le garder. Elle va aller à l'université à Alger. Et là, puisque sa maman est morte et qu'elle est obligée de subvenir à ses deux frères Ménache et Juba, elle est acculée à se prostituer, elle devient une prostituée de luxe et elle rencontre un garçon, Kamel, dont elle tombe amoureuse. Malheureusement pour elle, c'est un gars des services algériens. Il va finir par être assassiné par les services eux-mêmes. Cette femme raconte donc ses multiples expériences. Elle va passer par de nombreuses aventures et elle va quand même finir par se rencontrer elle-même. Donc, elle va s'assagir, elle va trouver son chemin. Et c'est grâce à la porte de la mer. Et là, donc, je laisse un peu le suspense pour les lecteurs du livre, pour voir l'étroite relation qu'il y a entre la porte de la mer et cette femme qui a lutté pour trouver son chemin. Moi, j'écris sur le monde entier. Hein. Moi, je suis un humaniste. Moi, je ne crois pas aux frontières, tout d'abord. Moi, je suis un citoyen du monde. Mais je ne renie pas mes racines. Je suis Kabyle et je suis fier d'être Kabyle. Et je défends et je défendrai toujours la culture et la langue Kabyle. Alors, La porte de la mer, on peut trouver ce roman dans toutes les librairies en France. On peut le trouver à la FNAC, on peut le trouver chez Gilbert Jeune, Gilbert Joseph, on peut le trouver ailleurs aussi et on peut commander le livre sur le site internet de l'éditeur Intervalle, sur Amazon, sur la FNAC, sur le site de la FNAC aussi. Et pour les Algériens qui sont de là-bas? Pour les Algériens, je leur dis désolé, ce n'est pas de ma faute, mais mes livres ne sont pas très bien vus en Algérie. Hein. Certains même sont interdits, mais encore une fois, ce n'est pas de ma faute. Hein. Et j'en suis sincèrement désolé. Dans le livre de Yusuf Ziram, justement, on parle de Bouira.
Oui, on parle de Tuviretz parce que Tuviretz, c'est une grande ville qui a toute une histoire. C'est une ville qui est magnifique. Elle est juste sous les pieds de Djurdjar, hein, la grande chaîne montagneuse, le Djurdjura. Et c'est une ville qui m'est très chère. Hein, c'est une ville très chère à mon cœur parce que j'y ai fait le lycée. Et donc, j'ai beaucoup d'amis dans cette très belle ville où j'ai passé des moments extraordinaires. Merci, Tanmir. Merci à toi d'être venu me demander hein, des petites informations sur mon dernier roman. Bonne continuation et à bientôt.